Salut les fifous, je refais mon intro parce que j'avais pas mis le micro. J'espère que vous allez bien. On est entre nous ce soir. On va continuer. Pardon, c'est mon tuto. On va continuer notre dessin de notre Inktober jour 9. Krabby Grincheux qu'on a commencé tout à l'heure, et il nous reste une heure pour le finir pour ne pas se prendre une journée de retard de plus dans la figure. Ça devrait aller, on va juste faire l'ancrage et bah c'est parti. Voilà, et on va le faire tout chill avec la musique tranquillous. Et pendant ce temps là je vais me regarder une petite vidéo zététique et des informations. De la part de Patchwork. Je suis en train de voir qu'il manque un petit bout de colo ici. Ok, c'est bien. On peut commencer.
Pingouin Fluffy. Fluffy.
Donc là, la technique, j'en ai déjà parlé, mais c'est de pour faire un trait le plus droit possible, il ne faut pas regarder où est notre pinceau, mais où on va. C'est-à-dire, là, je ne regarde pas mon pinceau, je regarde le point où je vais là. Ah, je vais faire l'inverse parce que là, l'encre est encore est pas tout à fait sèche. Donc j'ai pas envie de faire une trace, je pose ma main sur mon petit doigt, parce que là il n'y a pas d'encre, je risque pas de faire une bêtise. Hop, je crée mon démarrage, et là je regarde le point où je veux arriver. Et j'ai déjà réussi des lignes plus droites, voilà, ça c'est l'effet démonstration. Où on rate toujours nos démonstrations. Mais l'idée est là.
Tiens, j'ai un petit souci. Le feutre commence à fuir. Ça se voit. Ça fait des petits tas. Ça se voit pas bien à la vidéo, mais en vrai, on voit les reflets qui font des petits tas d'encre. Donc je vais absorber un petit peu l'excès. C'est quelque chose qui arrive. En général, c'est avec la chaleur. Mais pas que. Il faut être toujours attentif à ça.
assez intéressant, mais qui reprenait quasiment toutes les critiques que j'avais déjà vues. Je suis en train donc de regarder la vidéo de Patchwork sur zététique et désinformation, un cas d'école, qui reprend la vidéo à chier de Miss Pauline sur soi-disant harcèlement de la part de la communauté zététique métacritique. Et c'est un bon bilan. Voilà. Puis en même temps, bah, j'avance bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ah, encore. J'ai fait ça en combien? Une petite demi-heure. Il reste encore du boulot. Je vais faire le capitonnage et le menuage encore à la plume. Et je vais finir les personnages au pinceau. Et maintenant, je vais regarder la vidéo de Usul et Cotentin sur Jacques Chaban-Delmas.
ça fait justement une goutte qui s'est formée à cause d'un trop-plein d'encre qui est parti d'un coup. C'est vraiment le problème avec ce pinceau. Ça m'arrive assez fréquemment.
Il est minuit. Je vous propose une petite pause, le temps que l'encre sèche. Et je vais passer à la plume pour la suite. Je vais m'hydrater, faire une pause pipi, tout ça, la routine. Bref. Chillez bien. Et à tout de suite.
Fifou, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de cette petite pause pour penser à vous, vous hydrater, tout ça, tout ça. Hop. On va continuer notre dessin. Là, du coup, je regarde la fin de la vidéo de Usul et Contentin. Bien sûr, ne vous abonnez pas à Blast. Blast est un journal fasciste. C'est important de le rappeler. Hein. Blast
C'est à peu près au même niveau que François. C'est de la merde complotiste. Voilà. Et à part Usul et Cotentin, à part Salomé Sacquet et encore. Voilà. Il n'y a vraiment rien à en tirer. Blast, c'est un média fasciste. Voilà, quand je dis que c'est du niveau de François, c'est vraiment du niveau de François. Le référent scientifique de Blast, Brice Perrier, c'est quelqu'un qui se source chez François. Donc, évidemment, ça dégage pas un centime. Pour Blast, merci. Oui, j'étais en train de. J'avais oublié, j'avais fait le capitonnage au pinceau. Du coup, j'ai le doute. Je vais quand même le faire à la plume pour faire mieux ressortir notre pauvre Batman.
Là, depuis que j'ai commencé Linktober, je vous avoue que je continue de me poser la question, est-ce que je n'aurais pas mieux fait, dans un certain sens, de jouer le jeu en faisant vraiment uniquement à l'encre et à l'encre diluée? Car on va pas se mentir, j'aurais très probablement gagné beaucoup de temps. Évidemment, l'aquarelle, ça prend le temps de changer la couleur, de refaire ses mélanges. Que bah, l'encre diluée, il faut juste diluer l'encre, plus ou moins. Et derrière, le résultat, bah, plus efficace, j'ai envie de dire, puisque si on travaille juste avec de l'encre, juste en niveau de gris, il n'y a pas de risque de faire on dirait une faute de goût, quoi, en faisant des couleurs qui ne vont pas ensemble, ce genre de choses. Donc c'est. Voilà, j'aurais gagné du temps. Maintenant, je pense que c'est un peu tard. Et au-delà du temps gagné aussi, ça aurait été intéressant pour essayer quelque chose de nouveau, mais en fait non, puisque c'est ce que j'ai fait déjà beaucoup. Donc au fait me retrouver finalement, ça aurait pu être pas mal aussi. Voilà, la vie est une histoire de choix. C'est comme ça. Oh, salut Radio Cara. Eh ben, merci beaucoup. Je sais pas de quand date ton message. Je suis désolé. J'étais concentré. Il doit pas être très vieux parce que ouais, ça fait peut-être un quart d'heure. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Radio Cara qui dit MDR, ton dessin, tu te débrouilles bien, dis donc. Je file à bientôt l'artiste. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Je te souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne nuit. Ceux qui sont encore là, ceux et celles qui sont encore là, j'espère que vous chillez bien, que vous êtes là par plaisir, pas pour fuir une vilaine insomnie. Et si vous êtes là pour fuir une vilaine insomnie, bah, j'espère que c'est efficace, que vous allez finir par y arriver.
deux choix possibles. En fait, j'en ai trois. Le premier. C'est de ne rien faire, d'en finir là, comme ça. Je me dis, hop, ça y est, c'est terminé. Mais ça ne me satisfait pas. Le deuxième choix, c'est de finir ce que j'ai commencé en remplissant le nuage, la lune et le panneau avec de l'encre à peine diluée pour que ce soit quasiment noir ou de la peinture. Peut-être continuer à faire un léger dégradé au niveau du ciel pour faire apparaître mieux les étoiles. Le dernier choix, c'est de le faire, mais par ordinateur pour éviter les boulettes. Je pense que je vais faire un mélange des deux. C'est-à-dire que je vais scanner le dessin et faire le rendu au noir sur l'ordinateur. Et si ça me satisfait, terminer le dessin physique en faisant en le refaisant, en le finissant en physique. Voilà. D'abord le faire sur ordinateur pour voir si ça me plaît, puis si ça me plaît, bah, le faire en physique. Il y a un défaut à ça, c'est le temps que ça prend, parce que ça veut dire faire deux fois le travail. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça et je vais le faire par ordinateur et suivant le temps, peut-être que je reviendrai dessus. C'est un peu triché, mais en même temps, techniquement, c'est fait. Techniquement, le résultat est là. Donc voilà, il faut bien que je m'accommode un petit peu de tout ça. Encore une fois, sans trop de sujet, déjà Linktober en soi, c'est quelque chose de très difficile. Si en plus on se rajoute de la pression, ça devient intenable. Et je le sais parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement, de me rajouter de la pression en trop, hein, alors que personne ne me le demande.
après, si vous avez d'autres avis, hein, n'hésitez pas à les donner. Ouais, soyons fous. Je vais encore rester un petit peu. On va finir avec de l'aquarelle noire, tout simplement. Alors pourquoi de l'aquarelle et pas de l'encre? Parce que je pourrais aussi le faire en encre. Ça marcherait. Mais l'aquarelle coûte moins cher. Et franchement, la sensation est pas très différente.
Là, j'ai fait une bêtise, j'ai mis une grosse goutte d'eau. Alors que je vais juste légèrement humidifier. Donc là, je vais devoir jouer avec. Je crois que là, je vais vraiment pas pouvoir. Donc je vais l'absorber un peu. Fais attention à ce que l'aquarelle ne sèche pas. Parce que dès que c'est sec, c'est foutu. Tant que c'est humide, vous pouvez déplacer les pigments d'un endroit vers l'autre. Vous voyez, je le tire un petit peu vers le haut. Le but c'est d'en avoir assez, descendre à peu près au tiers de l'image pour respecter la règle des trois tiers. Et je ne me préoccupe pas d'éviter les petites étoiles que j'ai faites tout à l'heure, parce que de toute façon je les remplirai derrière avec mon gel blanc. Voilà, voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que le dessin final vous plaît. Donc, je pense que j'ai bien fait de le faire directement. Ça à l'aquarelle.
maintenant, voilà notre jour 9, Krabby. Et demain, on s'attaquera donc au jour 10. Alors, on reste au moins notre retard ne s'est pas accumulé. Voilà. Et on verra si on arrive à le rattraper. Donc le thème de demain, c'est Eagle. Voilà. Alors, Eagle, eh ben, je vous laisserai découvrir ce que j'ai prévu pour ça. Sur ce, les fifous, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je ne sais pas si je vous emmène en raid quelque part. Bon, Squeezie, c'est pas la peine. Là, je connais pas. On va vous emmener en raid chez Afro Gameuse, qui est une amie de Lady Jolene. Donc j'espère que ça vous plaira. Je ne connais pas, je n'ai pas été voir ses streams, mais je fais confiance à Lady Jolene. De toute façon, elle est en train de faire une partie de je sais pas quoi. Bref, je vous emmène là-bas. Allez, prenez soin de vous et des autres, c'est important. N'hésitez pas à aller dormir, ça va être là. Et je vous dis à très bientôt. Donc normalement, on continue le live demain pour les Inktober. Allez, ciao !